là. C'est vrai, gagne la série. Amis d'Haïti et de l'étranger, bien le bonsoir politiquement, socialement et économiquement, nous sommes heureux et fiers de vous retrouver professionnellement et objectivement à l'heure de votre émission de prédilection et imbattable, Blocus. Alors Blocus, l'on se le rappelle, est une émission sociale, politique, économique, juridique, civique, scientifique, philosophique, technologique et culturelle. Elle vous est présentée en direct, bien sûr, et simultanément du lundi au vendredi de 4h à 6h PM sur la chaîne 2, le réseau mondial du savoir et de la connaissance 106.5 Storm FM, la fréquence de la méthodologie et de la pédagogie. Nous sommes bel et bien live sur YouTube via notre channel Blocus. Alors Blocus, ça s'écrit BLOCUS. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité, du savoir et de la connaissance. Et merci de votre précieux et indescriptible attachement. Radio Téléstorm, la tempête de la vérité, de la rigueur, de l'éthique, de l'équité, de l'équilibre et du professionnalisme. Connaissez-vous les noms des présidents haïtiens qui sont assassinés ou morts au pouvoir? Et ceux qui n'ont pas pu boucler leur mandat et qui ont dû prendre le chemin de l'exil, connaissez-vous également les noms des chefs d'État qui ont travaillé au progrès et à l'avancement d'Haïti, vice-versa? L'écrivain et historien Adi Jean Gardi, notre invité ce soir à Blocus. Alors il va faire un zoom sur les moments tristes et glorieux de notre histoire. De peuple. Alors bonsoir historiquement, a dit Jean Gardi. Bienvenue à Blocus, l'univers de la formation, de l'information et de l'éducation. Bonsoir tout le monde et bonsoir surtout à notre ami. Merci pour l'invitation. Tout à fait. Bernard est d'emblée dans le débat. A dit Jean Gardi, nous pourrons garder l'histoire. Nous pourrons faire un coup de jeu, on zoom sur notre histoire. On entend plusieurs informations. Par contre, il y a quelqu'un qui est contradictoire. Est-ce que c'est des informations qui sont vraies? Normalement, de identifier. Dans le livre, nous, il y a rapporté qu'il y a 4 ou 5 présidents qui m'arrivaient mourir, assassinés. Est-ce que 5 ans, bah, qu'on approche ça, il est solide ou bien pas solide? Il n'est pas solide parce qu'il y a 16, depuis 1804 à journée Jodia, il y a 16 présidents haïtiens qui mourent au pouvoir. Il y a un qui assassiné, il y a un qui était obligé de mourir quand même, il y a un qui était obligé de quitter le pouvoir, mais qui mourit après qu'il a fini de quitter le pouvoir, et il a pris la caillou et il a assassiné. Mais au total, il y a 16 présidents qui mourent au pouvoir en Haïti de 1804 à journée aujourd'hui. Mm-hmm. Lesquels présidents énumérés pour nous, fait exercer ça pour nous de façon chronologique? Avec plaisir. Mm-hmm. Premier président mourir, c'était Jean-Jacques Dessalines. Monsieur était mort en 17 octobre 1806. Alors, lors du mourir, assassiné. Monsieur mourir assassiné. Ok, d'accord. Mm-hmm. Parce que monsieur était sorti marchand et monsieur a descendu au CAI pour la laisser mettre l'ordre dans la réforme agraire. Et monsieur était sorti tout dans la zone marchand avec près de 30 000 nègres. Là, monsieur arrivé à Port-au-Prince, là, arrivé dans la zone Asco, zone Pont-Rouge, et puis tout le monde pour courir, là, autant de tirer, et ils ont tout tourné la Tibonite, ils ont tourné au Cap, et c'était un seul qui était avec Dessalines, il était le charlatan Marcadieu. Et là, arrivé là, certainement dans la zone Pont-Rouge, là, Dessalines a les amener, et monsieur a dit feu, il a tiré sous lui, et il y a un ministre, monsieur, qui était ministre de la guerre, Étienne Élie Gérin, qui a dirigé la troupe là, avec l'autre qui était le Jean-Baptiste Yayou, et Yayou lui-même, sur son Congo, que Dessalines a dit, monsieur, retire quoi au Cap, allez au Caï, il est arrivé au Pabalté, et monsieur Antony, avec deux, trois bourgeois, deux, trois nègres dans un an, il a tourné pour le prince, et il a marché sous Dessalines, et Charlotin Marcadieu, l'éloi a tiré, il a volé sous l'empereur, il a gagné monsieur Attel couché sous lui. Charlotin Marcadieu, son milat, ne long, cheveux sous dos, et il a récolté son aigneur, il dit, et Dessalines dit, au secours, Charlotin, moi, il vient sauver. Parce que tout nègre est en train de faire outre, c'est seulement Charlotin Marcadieu, garde de Koa, qui était avec lui, et Charlotin te prend tout le balio. Dessalines te pousse Charlotin à terre, et il prend courir, et il passe l'albelet, et il te rendez-vous dans l'ancienne cathédrale avec Corneille Brel. Le monsieur qui vient dans la cathédrale, et monsieur comploteur courir derrière monsieur, et il prend un coup de marteau dans la tête, et monsieur tombé,
Et c'est là que yo baïonnette monsieur, yo passé monsieur à l'infinitif et yo ramassé Cora, yo traîné des chevalio et yo al déposé le pont rouge. Donc ça c'est arrivé 17 octobre 1806 et t'es confond monsieur qui était les Denis Basile, Dédé Basile que yo relé défilé la folle qui t'a ramassé monsieur à terre. Ah, c'était femme ni défilé de? Oh oui, d'après la petite... d'après la petite histoire disons mon tête pas droite etc. Qui... Non, défilé par défilé c'est le monde parce que les salines ni même t'es gain 21 femmes dans chaque département. Mon grand monde, il était comme première dame et certainement première dame ça c'est Marie-Claire Heureuse mon Léogan, mais après monsieur et était comme paquet d'autres femmes les mettait dans chaque département parce qu'à l'époque des salines avaient besoin de monde faire suivre rapporter pour lui et les mettait monde dans chaque département y compris au CAI par exemple c'est gain la fameuse madame Chevalier et c'est lui même qui c'est grande on est qui venait en Angleterre Winston Churchill et évidemment monsieur était femme tout les le mon cap etc. Donc chaque côté monsieur de grand monde et Dédé Basile t'es ramassé quoi fourré dans sac évidemment pour te prendre monsieur Sauville t'es grand pile tiré t'es grand pile mouvement dans la ville là il était obligé de sortir en pantalette sous lit et à tété dehors et mademoiselle t'es obligé paraître comme ça, il était dit son monde fou, et il était relé un autre monde fou qui était le dauphin qui t'a passé dans zone là, aidé le poté, traîné des salines, et il a l'enterré directement dans l'église Sainte-Anne, dans le cimetière Sainte-Anne. Alors évidemment, à l'époque de des salines, t'es qu'un, Mélèbe se fait mourir, et transition était extrêmement difficile. Et Tchernin Ligérin était déclaré sélic président. Et il dit que c'est lui-même qui jouait le rôle premier ministre en dans le gouvernement de Saline. Et au Vinjeune, on a grillé Bruno Blanchet, sorti directement Jérémy, il dit pouvoir c'est pour lui. Donc on paquette l'obéille. Et madame, monsieur, première dame, n'a dit, il n'a pas reconnaître du tout Étienne Élie Gérin. Et il croit plutôt faut gagner élection dans le pays. Et c'est à partir de l'élection par le grand président. Élection par le fait, effectivement. Il y a un commandant Port-au-Prince, c'est Alexandre Pétion. Il était pour élection tout. Il a fondé la République. République d'Haïti et monsieur avant le président avant l'indépendance là même attention on est avec Alexandre Pétion il était même femme en pile et une femme monsieur était un tisser Napoléon Bonaparte qui était bah, monsieur qui apparemment un syphilis et monsieur pendant période l'indépendance là monsieur yo goumé en fait et monsieur était comme commandant de l'ouest et monsieur son tisser malade et là monsieur monté président monsieur pral tombé avec la fièvre dans quoi qui pas chambre tombé et c'est comme ça que 1817, Pétion te prend cabane net, et en 1818, monsieur Pral mouri, et évidemment, Pétion mouri au pouvoir. 29 mars 1818, il mouri au pouvoir. Et là, il mouri à tout, évidemment, monde qui a remplacé lui, c'est Jean-Pierre Boyer, commandant chef la MEA, mais Boyer était dit la ptane enterrement avant que le déclarer et quoi que ce soit dans le pays, l'abtonne en termes en président Pétion avant de commencer à gouverner. Effectivement, M. Tétonne, et à partir de 1818, M. Tétonne prend pouvoir, il était dirigé correctement. Cependant, deux ans après, M. décidé mettait fin à pays sacré écrasé, tical, patical là. Ça veut dire que les Pétions mourir en 1818, au CAI, parce que Pétion, tu diriges une république, seulement l'arrivée portail Léogan, c'est la république la finie. Et leur montée portail Saint-Joseph, et leur arrivée continuer, arriver dans la zone à Cabaret, à Caillère, l'ESA, c'est la république à tailler. Tandis que vers le nord, Vignes Roi Christophe qui prend pouvoir, monsieur dirigeait toute la Tibonie, tout nord là, et dans le sud, au gain à partir de portail Léogan, arrivé juste dans Port-à-Piment, toute zone ça, mais d'abord Henri Rigaud et après Maximilien Borgelat. Pays a divisé en plusieurs morceaux. Et du côté de Jérémy, tu as l'autre république, l'autre gouvernement avec Jean-Baptiste Gaumont. Et où gain en Dominicanie, il y a Nunez de Caceres. Et c'est là que le président Pétion, puisqu'il est mort, et Jean-Pierre Boyer remplace elle, il continue tradition. Il dit qu'il a fait payer à ton nom seul. Monsieur allait évidemment limiter fin à la république au Kaila. Et Maximilien Borgelat associé à Quin, elle dit monsieur non pas bien dans Goumen n'a pas entendu nous. Donc le sud retrouvé directement l'ouest avec Boyer et on parle gain tout en bataille que Maximilien Borgelat parle mener contre Nèg Jérémyo et il parle ramener la grandance qui vient directement fait partie de la République. Donc Boyer vient gain tout sud de la police, il restait le nord et là monsieur parle monter et qu'on président parle mourir au pouvoir, c'est Henri Christophe. Et là Henri Christophe apprend que l'armée a monté et gain il y a des troubles dans le pays. Il y a même un beau fils, Beaufils,
qui était relé Nora Alexis Père. Monsieur était marié à Tiblesine, Blaisine Christophe, une petite fille. Monsieur était dans un mouvement avec Paul Romain pour jeter président. Donc le président attendait tout le bail Sao, président, disons le roi Henri Christophe, il attendait des autres Sao. Monsieur tape traîné parce qu'il était malade, il était en apoplexie. Et monsieur tombait à terre, il a traîné, puis monsieur les petits garçons. Victor Christophe, prends un revolver à moi, tant pis. Monsieur prend un revolver dans le tiroir, et puis papa. Chute à son chaise roulante, et yo mette le sous chaise là, et Timonan le dit, monsieur, pressé, tirez sous moi. Et puis, monsieur parle, Timonan parle pressé, monsieur Kimbe Zamnan, mais la tremble, et c'est là que roi Christophe a perdu la ville au pouvoir, parce que les tirés tête, une balle au cœur. Dans les suicides tête, lui. Les suicides. Là, nous avons 8 octobre 1820. Donc, 2 ans après, vous avez fini de monter, le pays a commencé à unifier et monsieur a décidé qu'on a fait la campagne de l'Est. Monsieur est rentré avec près de 40 000 hommes du côté de la Dominicanie et monsieur fait que Nunez de Caceres quitte le pouvoir et il a monté le drapeau bleu et rouge et tout le pays a vu une fond seul. Alors, évidemment, le pays a pas gagné le président qui va le tomber, puisque vous voyez, il a quitté le pouvoir en 1843. Et l'aime ceux qui étaient pouvoir, on a créé les Rivière Ira qui prenait, et après Rivière Ira, qui n'est pas de cas dirigé, qui a fait des ordres, ils ont jeté la terre, ils ont mis Philippe Guerrier. Et c'est là que Philippe Guerrier est au pouvoir, M. Pral perdu la ville lui-même, le 15 avril 1845. Et qui a mouru, M. Nèg marchand des Salines, il était dans la guerre indépendance, mais M. était 87 ans. Il était fin grand monde, M. était malade en pile tout, et M. était franc pile bien, il était géré monde, il fait appel à l'école, tant qu'au lycée Philippe Guerrier au Cap, lycée Philippe Guerrier au Caï, et M. t'a permis que tout le monde a touché bien, il y a eu moyen dans le et parce que il pas de voler comme, et trois racobes qui étaient là dans le pouvoir, il servait avec pour te faire un peu de bien. Et c'est là Philippe Guerrier prêt à mourir lui-même. Monsieur mourit de mort naturelle, mais il mourit au pouvoir. Il mourit 15 avril 1845. Et là, ça a payé à décider. Il n'a pas porté deuil pour lui. Et il a porté deuil, puis il y a vraiment un Pierrot qui peut le monter, qui dit le pape courir, fait décret état de siège, bloquer un pays. Il faut qu'il y ait un enterrement président. Et monsieur a décrété seulement l'enterrement. Il fait un décret seulement sur l'an mois. Et il te dit pour tout le monde qui a travaillé dans l'État, pour y porter deuil. Et pendant 3 mois, Haïtiens étaient habillés tout de loin et ils ont crié, ils ont vraiment gain la peine pour le président Sacté Mouri parce que Philippe Guerrier était un très très bon garçon. Et quelques temps après, il y a Jean-Baptiste Richer. Alors Richer n'a pas pris le pouvoir et Richer était grand monde, mais monsieur était converti dans l'église wesleyen. Monsieur venait tourner un pasteur pentecôtiste, un pasteur wesleyen. Il bat son gros l'église au Cap et puis il dit nous pas prêts pour le prince encore, tout employé prêt au Cap parce qu'il prêt marcher dans l'église. Et puis il y avait une tombe dans des gabards côté gang à marcher tout le monde ou kidnappé, ou touillé, ou raché. Donc bref, sous gouvernement Richer, il y a un désordre généralisé. Mais pendant que les ordres, là, mon a brûlé un mot contre Richer. Et un jour, pendant que je suis sorti, la préparé à faire pour la locap, je suis marché dans le champ de masse là, et il y a une pile femme. Et qui gagne en tête, yo, Marie-Louise Nicolas, et qui parle futur, qui parle madame, et ministre Salomon, et puis, yo sorti certainement dans Saint-Louis du Sud, yo rentré Port-au-Prince, et yo dit, yo parle bail Richer, yon leçon. Et c'est là que yo parle maré, et garde de corps, et yo prend président, yo fourré le sac, t'as un sac charbon, yo fourré président la donne, et yo roulé monsieur en bas coup de bâton. Et là, M. Pral retrouvé le cap en Jean Cocobé, en bas coup que le recevoir dans 350 femmes qui sont sorties dans le sud et dans Port-au-Prince et qui étaient venues directement pour ballon le son. Et là, M. Pral mourit, Richer mourit 27 février 1847. Donc deux ans après que nous avons perdu le président Guerrier, nous avons perdu Richer. Et là, M. mourit, mais il dit, il courit bris, il dit, mais que c'est poison qui a été bali, c'est Céline Ardouin qui a été poison, et c'est pas vrai. Bon, grand pile recherche qui fait, qui montrait que monsieur, évidemment, il mourit et il était écrit dans le testament, s'il mourit, il faut fourrer directement dans l'hôtel de la patrie. Même Jean Alexandre Pétion. Alexandre Pétion allait à l'hôtel de la patrie et Richer tout allait à l'hôtel de la patrie. Faut me dire que journée jodia, dans l'hôtel de la patrie, Alexandre Pétion là et Jean-Jacques Dessalines là. Dans la cour, il y a un Richer qui est venu enterrer dans la cour. Il y a l'autre président, donc Florville, qui est enterré dans l'hôtel de la patrie. On a parlé de ça tout à l'heure, mais il faut me dire que le Richer mourit le 27 février 1947, et le pays est venu tomber dans la main
général Soulouk. Et Soulouk montait pouvoir, et monsieur te font bagarre, il dit affaire de gang qui a marché, violé moun, bat moun, et que moun pas qu'à circuler dans le pays, la mette fin dans bagarre ça. C'est vrai que il te font gros cérémonie, non, il te bonne pays, et puis monsieur te allé réunion Panthéon de 21 esprits, côté que monsieur te vend gang yo. Et monsieur al bol en mer, il dit agoué, marché près yo, et au fur et à mesure, Baraï ça a été venu disparaître et Soulouk a dirigé le pays pendant près de 11 ans. Il a fait tentative pour tuer Soulouk, on est qui sorti Tigouave, mais M. Pacham mourit parce que on leur dit que il était rentré dans la chambre, monsieur Pial prendre la Kaili, mais il était jeune au régime banane et il était obligé à le faire autour. Mais après Soulouk était très très dur, il était marché fusé garçon. Soulouk pas tombé certainement dans le gouvernement Fab Nicolas Giffra. Fab saute au Kaï et M. rentré Port-au-Prince et M. rentré tout grand monde. Alors évidemment, monsieur a fait attention pour ne pas prendre. Mais Fab Nicolas Giffra, tel te fait, tel te mercenaire. Premier président qui est mercenaire dans le pays pour craser manifestation, pour craser opposition, c'est Fab Nicolas Giffra. Alors monsieur rentre mercenaire. Mercenaire, ça y est, côté le déjeuner. Anglais, anglais. Anglais, ok. Des Anglais. Mm-hmm. Parce qu'à l'époque, n'oubliez pas que tu as une route qui en pile mon absorti Martinique, Guadeloupe, il y a absorti l'Amérique du Sud, il y a absorti Colombie, il y a absorti Venezuela. Et son route que Simon Bolivar te connaît bien, sorti directement, lorsqu'il sorti Colombie, lorsqu'il directement tout Caracas, Venezuela, ou rentrer Haïti en 20 minutes dans bateau, ou aller à Quin, ou aller dans la zone à Quin directement. Donc, il était facile pour te rentrer, et tu es grand pile nègre que Français ont été des pirates, des mercenaires, parce que monsieur apprend antillais qui a payé 20 dollars, 30 dollars, et fait rentrer directement à Haïti, côté grand pile esclave. Depuis qu'il rentre directement à Haïti, il était déclaré, il était libre, il est libre et libéré, il n'est pas esclave encore. Donc, alors, le gouvernement était prend là dans Nexaro quelques mercenaires anglais et lui demandait tirer directement sous opposition et te gain on est président te gain futur président Sylvain Salnave que nego calé monsieur deux fois yo boulé ville au cap yo ratiboisé go naïve et finalement Sylvain Salnave t'es obligé aller en exil et c'est là monsieur va faire l'amitié il parle bien avec Karl Marx il parle bien avec Engels et monsieur va participer dans la première internationale et là monsieur rentré à Haïti et li chasser mercenaires anglais yo monsieur dirige pays il y a et grand pile femme qui était marché avec elle, monsieur Monton l'armée femme près de 30 000 femmes à exam à garçons mélangés et dès que rentré il prend pouvoir et au bal jeune on est Fab Nicolas Giffra pas obligé parti d'autant plus que quelques mercenaires étaient virés contre monsieur il a laissé étouiller la Kaili mais il y a pas de jeune joue ça il joue une petite fille monsieur qui était madame Koura il était tout tuile. Évidemment, les Sylvain monté, Sylvain prend la montée au gouvernement, et côté que monsieur dit, c'est Haïtien qui a dirigé, monsieur pas créé, malgré les magasins de l'État, côté que manger, qui a fait dans la province, monsieur acheté au bon marché, et monsieur vendu au pays, et monsieur vend rad, monsieur très bon marché, et monsieur a vivre très bien, et monsieur font économie qui a souvelé, qui permettent que paysans eux, ils ont jump. Alors, c'est, Sylvain Salnave, c'est un petit milat qui était noiriste. Monsieur était même un noir, il était même paysan. Monsieur était une vision égalitariste, une vision communiste. Avant Fidel Castro et avant la Russie, Haïti a gagné l'avant. Mais là, monsieur ici au West Sahara dit que monsieur son traite et c'est là qu'on va décider de tuer monsieur. Il n'y a pas de fonds tentatives d'abord. Il fait deux tentatives. À le prendre la Kaili, il n'y a pas capable de jeûner, il n'y a pas qu'à tuer. Et monsieur retourne sous pouvoir à Pirède. Mais il y a eu une voyerie, l'autre mercenaire, l'autre monde vient derrière président. Monsieur était obligé un jour sauver les cal caché avec du soir prêtre, parce que c'était des prêtres corses et des prêtres bretons. Parce que j'ai frère, t'es si on concordat, les mains de tout le blanc français vini, parce que monsieur était croyant en pilaf. Il était blancophile. Il était en six sous-sous à l'un, et il voyait chercher, alors que Salnave lui-même, son nationaliste, son équitable goumé vraiment, pour payer ça, il était jump. Et monsieur parle goumé contre mercenaires, et monsieur retrouvé la République dominicaine, et là, que conseil de moun, que Négici t'a dirigé, t'as qu'on Nissa Sage, et t'es qu'un prophète, Bruno, et ou t'es jeune tout, même Michel Domingue, Naokai, Négo mettait ensemble pour voir qui j'ai écrasé Salnave, et pour empêcher que Salnave pas fait un gouvernement populaire. Et Salnave par le retrouver, il est certainement en exil. Pendant que ça prend route, là, sorti, monsieur passait directement, il quittait Palais National dans la zone Champ de Mars, monsieur rentrait directement
monsieur passé dans canapé vert, monsieur passé dans ravine, monsieur monté Pétionville et de là étant monsieur dirigé dans zone Croix-des-Bouquets, de Croix-des-Bouquets monsieur fait route Saint-Domingo et c'est là il parle prendre monsieur dans route, il parle arrêter lui et vous voyez le tourner bail on est créé Boiron Canal. Bon canal t'a habité frère et yo fait président yo battle et t'a gen monseigneur Jean-Marie Guillou qui t'a gon fouette nan men k'a frappé de monsieur Satan recevait le coup de grâce Satan et la frappé monsieur coup de fouette et en fait Salnav n'était pas Satan. Salnav c'était un président populaire qui voulait absolument régénérer la population. Non monseigneur t'a payé mener opération. Ah bien sûr parce qu'à l'époque faut pas oublier que c'était un prêtre corse qui était avec Salnav et on t'a dit que pas d'accord avec concordat. Concordat que ça j'ai frappé signer faut donc que Salnav t'a dit il pas d'accord il pas vrai. Parce que concordat t'a dit faut Haïti accepter pour mon père Breton est venu, il vient faire l'école pour haïtien et pour haïtien l'école faut qu'il marié, baptisé, communier, confirmé et ça n'a pas d'accord. Il dit tout que en dehors de prêtres étrangers les Bretons, tu avais des prêtres corses français qui pas d'accord avec eux. Donc il vient mener bataille ça directement ici à mais Corsio t'est resté directement à côté président Sylvain Salnav et c'est là que parle mener monsieur monseigneur Guillou c'est un Breton alors il automatiquement le frappé président il fait le marché en Sylvain Salnav ça relé fait le marché SS et les rentrer là il commence à tirer moun il tue en pile moun et grand pile mesdames qui mouri tout qui tue près de 40 000 moun au seul coup et président il parle mener monsieur avant mener monsieur dans palais il boule palais. Yo sauté par là et là monsieur arrivé 15 janvier 1870 alors là monsieur entouré et c'est Boiron Canal et qui futur président qui parle demander pour fusiller président yo marié monsieur dans poteau il a été fusillé sur les ruines fumantes du palais national et après ça nèg décidé attaquer partisans Salnav qui a pris les armes et yo tellement tué moun que quelques temps après, il tue la gueule dans la rue et haïtien peut commettre drap blanc sous moi, il quitte la terre pourri et finalement il vient de maladie que les maladies verrettes et haïtien mourit coup mayaya. Alors évidemment le 15 janvier 1970, ça a passé dans le pays et le président est mort. Alors quelques temps après, il faut dire que nous allons avoir un autre président, Michel Domaine va monter Saget pour le monter avant. Et les dates, M. Rivet, elle fait autre, il tourne Saint-Marc. Et qu'on président Okaï qui vini, c'est président Michel Domaine. Michel Domaine rentre à Port-au-Prince, mais quand il n'est pas trop savé, trop intellectuel, il y a un petit neveu qui était étudié la Sorbonne et qui parle un français rigoureux et qui parle très bien, qui a inventé d'une certaine manière la lumière, qui voulait faire de Port-au-Prince la ville lumière comme la ville de Paris. Et Septimus Rameau mettait lumière dans le pays, ça. Septimus Rameau mettait opéra, Septimus Rameau fait payer à tourner comme en France, comme Paris, la Port-au-Prince était devenue une belle ville. Il mettait tramway, il mettait vraiment système côté que tout le monde était senti que le gouvernement tape marché avec Domaine. Cependant, monsieur pas créer la banque. Il vient pour le problème côté que monsieur dit bon, il veut monter en banque, elle relait en pile français venait d'Eli, il a essayé monter en banque et l'argent que haïtien te gagne à l'époque là, yo stocké dans banque là et yo condamné monsieur comme étant yo dit que Domaine gagne les sorties pour le prendre pays et pour voler l'argent et c'est comme ça que Domaine il parle tel, il a la caille monsieur 15 avril 1876. Yo rentré dans chambre la caille. Mais première dame non, madame Domaine te font travail, t'es empêché, il t'a dit depuis au caille, la prendre président, pas gain moun capture ni Maril ni petite li, elle vini en grand moun ici. Donc ils font façon pour yo pas tuer Michel Domaine et Michel Domaine il est sauvé et il dit que monsieur était dans tourner un papillon. Et monsieur sauvé, il est apparaît sous waf là, mais on est avec Septimus Rameau, c'était un intellectuel, un penseur, un philosophe, monsieur pas de quoi dans rien et monsieur pas de aucun effort, monsieur saute la ville là, il descend mais rien ne peut m'arriver, pas rien qu'arriver et monsieur te font discours et pas les fort et ceci il dit que après mon Dieu c'est lui-même et que moun pas katouil, il pas faire rien. Donc ça c'est Septimus Rameau. Et alors là, peuple là, il fonçait sur monsieur, il arrachait la coute manchette et monsieur mourit dans mi-temps Port-au-Prince et ceci le 15 avril 1876. Et c'est vrai que Michel Domaine était pour un couteau
les monsieur qui sous la flag, une foule qui m'a sous lui, il blessé dans le bras. Et là, le Jamaïque, mais président, non, t'es sauvé, mais premier ministre, là, t'es le Septimus Rameau, t'es mort le 15 avril 1876. Mm-hmm. Alors évidemment, il faut penser qu'après cette période difficile, ce deuil terrible, on ne parle rien sous pouvoir, on coquin de chaîne garçon et qui relait. Certainement, M. Les Florville, Hippolyte. Les Florville rentraient, évidemment, M. rentré après Salomon. Il n'y a pas de cas manger Salomon tout. Après Salomon, il fait deux ou trois tentatives, et M. il n'y a pas de cas prendre. Et Salomon sorti au cas, Lysius Salomon jeune, il est dirigé pendant 11 ans, et là, M. Pral tombé, il y a un flan qui fait un coup d'État, et il y a M. Saïd Télémaque, M. sorti au cas pour prendre pouvoir, et Bouan Canal, il fait assassiner M. Et M. était mort et il mettait, et comme ça, Florville pour rentrer ici avec coup de zame. Et Florville est président. Mais il prend mourir tout. M'cadou que Florville fait 8e président qui mourit sous pouvoir. Et cette fois-ci, M. tendait Nèg Jacques Mel levé contre lui. Mérisé Janis a fond mouvement pour contre président. Et M. dit il prend le gourmet en personne. Et il prend cheval, il a galopé. L'air qui vient au grand cimetière Port-au-Prince. Dans une porte à Eléogan, et bien président, chapeau Panama. Panama est tombé, ça qui derrière ramassé lui pour moi, nous chantons ça. Oui. Donc, chapeau président tombé, M. Vigre gade, il dit, mais chapeau me tombé, ça qui derrière ramassé lui pour moi. Et puis, M. tombé sous choix là, red mort devant grand cimetière Port-au-Prince. Et là, on vient garder M. 29 mars 1896, président mourit. Et c'est là que je parle ramasser monsieur. Et je viens d'un testament, il était dit, il faut que je mette le tour dans l'hôtel de la patrie. D'accord. Qui l'a rue de la Réunion. D'accord. Ça va bien pour faire pour moi un peu plus tard dans le débat, dit, ou qu'on a un abat et une liste de présidents haïtiens qui sont censés assassiner et puis qui mourent au pouvoir. Ou à faire des décantation pour moi, ou à le ban, combien qui assassiné spécifiquement. D'accord. Ou à le faire calcul là. Pour nous faire des comptes là, combien chiffres, combien liés, et puis combien lui-même qui mourit au pouvoir, ça qui n'a pas assassiné. D'accord? Oui, bien parce sûr. Parce qu'on est au mélangé. Oui, d'accord. Mais nous voulons que Mounio connaisse. Il y a 16 présidents qui mourent au pouvoir. Qui mourent au pouvoir. Dans 16 là, qu'on a bien compris. On a fait des cantations pour aller voir combien qui assassiné dans 16 ans. Il y a 9e assassinat sur le compte. D'accord, on a continué. Assassinat sur le compte, il y a assassiné. Oui, ça c'est pas les nationaux. Tout président, il y a dit au Sénat Palais, puis il y a un chambre. Donc il y a M. assassinat sur le compte dit lui-même, il n'y a pas en affaire avec ni arabe ni vaudouisant. C'est-à-dire que l'arabe a commencé à gagner influence, il a gagné maquette, il a gagné van rad, il a gagné toile. Et M. dit, la voie retourner dans la caillou en Syrie ou au Liban. Mais ça, c'est un problème. Deuxièmement, M. tendait l'église catholique qui a poussé le devant et M. allait les bouler péristyle Mounio. Et M. était vraiment crason président Antoine Simon avant. Et M. dit pas en affaire avec ça, parce que les gens sont francs catholiques. Et M. a décidé de créer un problème. Mais quelques temps après, nous parlons de ça, tu te compte, le 8 août 1912, nous parlons palais, nous sauté palais à M. Et que M. sauté, et qu'il y a près de 800 nègres qui mourent. Qui est-ce qui était à la tête de ça? Bon, évidemment. Il y a un de monde accusé. Recherche qui montre qu'il a dit que c'était un son accident. Et officiellement, il a dit que c'est un accident. Mais il a été accusé de Tancred Auguste. Parce que même jour, M. Mouria, Tancred, qui était joué rôle premier ministre, déclarait que c'est lui-même qui est président. Et il sort son décret état de siège plim bagouillé. Et après, M. prend pouvoir, il dit que c'est lui-même qui est responsable, l'homme au président. Et évidemment, Tancred Auguste, parle de ce pouvoir, au parlement que M. rentré le 9 août 1912, même jour président Mouria, il paraît à 4 à 5 heures du matin, il dit, nous avons constaté que le président est mort, désormais, je suis en charge. Alors évidemment, M. Pral mourit, tragiquement, il mourit sous pouvoir le 2 mai 1913. Tragiquement, bonne précision. Bon, monsieur mourit malade. Un peu tragique parce que monsieur, il n'y a pas qu'à jouer une guérison pour lui. Et monsieur, on fièvre sous lui, on diarrhée, on a une maladie de langueur. On m'a qui était tellement sauvage que la presse à l'époque, le journal Le Matin et le journal Le Nouvelliste dit que le président mourit tragiquement et il s'est porté deuil pour Tancred. Et on parle quelques temps après. Alors, il faut préciser, Tancred là, c'est ton petit mulat.
j'ai ton, pardon, petit, ton gros, Milat. C'est ça. mais, comment ça fait, m'dou ça? M'sou, j'ai gon mètre, qui était le mètre Jean-Claude Nord. M'sou, tout là, il s'est fait mi-temps crête, ça, oui, tout en crête Auguste, ça, que ça, tu peux prendre pouvoir dans le pays. Oui, oui, mais, Nord, c'est mon Jérémy, alors que tout en crête, c'est Nègre au Cap. Télé dans l'Ouest, il vit dans l'Ouest à l'arrêté et puis famille là toujours, il y a un gros magasin en bas ville là et en bas la ville là et c'est la famille Auguste et évidemment Monsieur mourit le 2 mai 1913 et Roger Gaillard dans une livre il lagué sous deux Tancrède la mort c'est signature sur le compte et ça qui expliquait pour qui ça allait venir Auguste Monsieur était prend tout livre Roger à le déposer la Kylie il dit Monsieur ou pas bail la vérité. Bon. Anyway, ou pas le quelques temps après, il y a un président monté qui est au reste de Zamor. Les Zamor monté et M. a dirigé pays. Il n'est pas mort sous pouvoir, mais il n'est pas mort depuis devant en 1915. Parce que au reste de Zamor lui-même, il était recevoir un ambassadeur américain qui était le Bailly Blanquart. Et Blanquart, M. Blanquart, il paraît que le président, il a l'impression qu'il a signé l'argent. Parce que moi, depuis sous le président Lizzie Salomon, eh bien, j'ai besoin de $50 américains pour $1 haïtien. Et yon ne kap travail dans l'État, s'il gagne $1,000, bon, j'en ai joué d'hier, c'est $10,000 le gagne. Donc, yon wak yon nego gagne comme yon. Li dit, monsieur, bon, désormais, m'pa le diriger, bon, m'diriger ministère finance, m'a voué moun gade ki j'en ont fait comme. M'a pren la douane dans tout. Et président Zamor était tellement vexé, li dit, monsieur, get out, motherfucker! Fourou dehors ici à malpropreté. Alors, ambassadeur a été calégé sous lui et président est bas, ambassadeur Blanquart, yon calotte. Et après, l'air, il va le remettre, M. Ballon, deuxième calotte. Et ambassadeur et président est fait boxe, l'écrasé tout jol ambassadeur américain. Alors, c'est là ça que l'ambassadeur a retourné, il tourne la Kylie et qu'on équipe mercenaire qui allait Wanamet. Et qu'elle parlait avec un équipe pas d'accord, qu'un haïtien qui dit, il n'avait pas le droit de faire ça, il n'a pas le droit de frapper un diplomate. C'était Freda. Freda, c'est un officier, mais en même temps, il était dans un protestant des Baptistes, et il était le monsieur Freda ou David Noir Théodore. Et c'est là que Nègre Balfour Mouvement, il criait les cacos. Les cacos du Nord avec David Mar, ils ont plongé pour le prince et ils ont déchouqué le président, ils ont pris M. Lakaili, ils ont crasé Kaili, ils ont presque 3-4 tués, mais pas tué le président, ils ont forcé M. à l'exil et David Mar Théodore, le président. Cependant, ils font façon, n'inquiétez avec David Mar Théodore là, c'était général Bassin-Saint. Général Bassin-Saint, bon nom, c'est Villebrun, Guillaume Sam. Et là, M. Monté pouvoir tout, et M. font façon, Zamor fait tourner sur son exil, il ferme la prison, et M. Pal passe l'ordre, puis il tue Zamor dans la prison au 29 juillet 1915. Avant aller, et pourquoi ça a été le général Bassin-Saint? Parce qu'il dit qu'on a tué mon empire. On a tué mon empire. Ah oui, là, M. rentre en zone, c'est crassé, brisé. Avant, il était en chef gang, et puis après, M. rentre dans l'armée, il y aurait le général Bassin-Saint. Les vidés, c'est un garçon à terre, et là, M. monte président, et bien, M. dit Zamor va dans la prison. Et c'est là que 29 juillet, M. tue Zamor, et tout ministre Zamor était dans la prison. Il y a 169 nègres qui ont marché pays à la direction générale, se tué tout dans la pénitentiaire nationale. Et c'est là qu'il y a révolté, le peuple a révolté. Il y a le premier monsieur, la Kaili, et monsieur est sauvé. Il est rentré en ambassade américaine, président Villebon Guillaume Sam rentré en ambassade française. Et c'est là que le peuple a rentré dans l'ambassade là. Il y a le premier monsieur, il y a Rachel. Tical, patical. Est-ce que c'est côté ambassade de France et je dis, est là même? Oui, ambassade, non, pas là, lié. Et pas là, non. Il était dans zone. Il était dans zone. Il était dans zone. Moi, le côté de à l'époque, ambassade, ou à côté du palais national, oui. Et côté de la caserne de Saline. Bon, en face, li, et l'on parle traverser avant prend l'école de droit. En face, l'école de droit, c'est là l'ambassade de la TI. De France. De France, ambassade de France. Ah ben, quelques années plus tard, il y a un consulat américain qui vient en passer. Oui, exactement. Donc, il vient rentrer directement là. C'est la présidente qui est rentrée. Le peuple a rentré derrière, il prend l'URL, il rache son bas de manchette, et il traîne devant, dans la route qui passait devant la faculté de droit, et il fend le président avec tout un général qui était relé, Charles Oscar, qui était passé l'ordre pour tuer le président Zamor à la Kaili. Donc, ce qui veut dire que c'est deux présidents.
président perdu en juillet 1915 et blanc au débarqué et blanc au dit américain dit la ville mettez l'ordre dans des ordres. Mm-hmm. Entre-temps David Mar Théodore il parti là les Curaçao, il était dehors et il pas la retourner dans le pays pendant l'occupation américaine. Et là, M. Tounekounia, il n'est pas président encore, mandat était quand on fini, et M. a habité Pétionville. Et c'est là que il dit que M. pas de gérer mon bien, il était doué, il y a un peu qui dit qu'il y a une dette pour lui, il n'est pas de payer au Kobio, etc. Et puis il dit que M. son président, et c'est à cause de lui que Zamor mourit. Bon, on fout le monde qui a la caille, monsieur Pétionville. Yo gratiboisé, garçon. Yo fun, yo raché barrière. Yo rentré dans la chambre président. Et devant madame de Freda, David Martéodore, yo te tué les balles, 17 balles. Monsieur mourit là, ça, le 13 janvier 1917. Mm-hmm. Et là, pays a rentré dans une période de deuil, puisque à l'époque, il était déclaré funérailles nationales. Pour Freda, David Mar Théodore. Alors, on parle de que entre 1917 et après, le gouvernement a continué, nous prenons l'indépendance, deuxième indépendance, et président Seigneur Vincent mandé américain pour aller quitter le pays. Et c'est là, on parle de jeune, et certainement, on transition douce. Parce que rien pas arrivé, c'est nous Vincent, il passait pouvoir à l'ESCO, l'ESCO va gagner, il passait pouvoir, et certainement, révolution vient de faite, et au 20 juin 1946, il y a un coquin de garçon qui relève du Marseille estimé, il montait le vice président. Rien pas arrivé du Marseille estimé non plus tôt. Mm-hmm. Mais du Marseille était metté comme ministre, François Duvalier, qui a affaire, qui a dirigé l'affaire sociale, ministère du Travail. Et c'est François Duvalier, ça, qui parle prend pouvoir, et ceci en 1957. Et monsieur, prend en 1957, un an après, et il voulait chercher quelques mercenaires pour aller tuer monsieur Lacaille. Mm-hmm. Et il est ça, donc, en juillet 1958. Il va tuer M. Lacaille. Mercenaire, ça, qui est-ce qui est dans la tête? Capitaine, qui est Alex Pasquette. Mm-hmm. Et en dehors de ça, il y a des mercenaires comme Arthur Payne, ou il y a Kirsten Levint, ou il y a Joe Walker. Mais mercenaire, ça, c'était américain ou bien américain. Mais maman Simone, madame Duval, était dit, il n'y a pas tué Marie. Depuis 1957, M. a monté, il dit, il n'y a pas tué Marie à Namel. Je vais pas tuer ni Marie ni petite ni l'évangile. Et évidemment, tu mettais sécurité visible et sécurité invisible dans le cas là. Au point que les nègres rentrent, ils n'ont pas ouais du valier, ils ont un rideau. Et ils rentrent quand même, ils s'est écrasé quelque côté. Mais finalement. Ça, c'est la CAIL ou bien par les nationales? Il y a d'abord la CAIL. La CAIL, ok. Laisse ça. Il y a la CAIL. Oui, il y a la loi, il y a la CAIL. Et évidemment, monsieur, il y a une chambre dans le palais. Et là, ils pas ouais, monsieur, ils sont dedans, ils rallongent grenade. Il voyait la figure Alex Pasquette et il voyait l'autre grenade, presque tout n'est-ce qu'il était mort. Et là, pas de qui est sauvé, même dans le palais, le monsieur fait la contre-offensive et monsieur t'a dit, avec toute madame t'a dit, il n'a pas tué Marie à la main, il connaît ça pour le faire, et il paragon garçon comme ça pour le bail vacabon mercenaire virtuel. Alors évidemment, ça c'est l'idée, la petite histoire concernant la première dame de l'époque. Alors évidemment, on parle bien certainement monsieur, il parle mourir sous pouvoir. Mais avant, t'as une histoire des Camoquins, c'est pas de mercenaires et tout. Ah non, pas du tout, c'est les Camoquins. Qui sont Kaya, etc. Non, des Haïtiens. Des Haïtiens. Haïtiens, t'es dit. Je suis pas d'accord que Jean Duval a géré le pouvoir. A géré le pouvoir, et puis t'as fait fort dimanche, n'importe qui moun kal fort dimanche au péri. Donc, yo fait, yo mette fouillé tout, lagé moun vivant, mette fatra sous tête, yo boule yo. Et qu'on pile bas, il t'a passé que moun yo pas très main et grand pile haïtien qui prend les armes pour jeter Duvalier. Mais Duvalier va mourir de sa belle mort de maladie. D'abord, il fait un stroke, il parle malade de diabétique. Tout. Bon, monsieur, t'es tension, diabète, etc. Et après, monsieur vient tomber le malade, docteur. Quoi qu'on te fait un pile barail au niveau médical pour essayer de mettre PIA dans le système hygiénique puis correct et éliminer quelques épidémies. Mais lui-même, il parle mourir sous pouvoir 21 avril 1971. Et là, il mourit, évidemment, quand pile barail qui passait, il menait. Et ils avaient enterré monsieur, ils ont mis le cadavre là, même 21 ans, monsieur fait mourir, ils ont gagné les Mouril Figaro, ils ont illuminati haïtien, ils ont les nonces apostoliques, archevêque de Port-au-Prince, ils ont rentré au cimetière, pas d'eau. Ils ont rentré avec tout.
tout Moa Pado. Et quelques temps après, il va faire enterrement François Duvalier et il y a un gros vent qui passe Port-au-Prince. Et d'après la petite histoire. Il y a un gros courri. Perdu sandal. Exactement. Papa, t'as dit ça? Il a apporté ça. Papa, maman, il a apporté. Ok, donc moi-même, tu maman, quand tu as perdu sandal, il y a un bon là au Port-au-Prince. Il était en côte, Non, pas de ma côte, mais il t'a assisté. Il t'a pas assisté finalement. Enterrement. Bon, ok, très bien. Donc Duvalier mourit 21 avril 71 et il va le mettre Jean-Claude Duvalier à 18 ans, 19 ans, il mettait monsieur majeur et il prend pouvoir. Et là, Jean-Claude Duvalier monté, il y a une tentative qui va le faire pour jeter monsieur. Surtout, il y a Lionel Lainé qui sortit à l'étranger. Lionel Lainé, oui, c'est qui... ça qui est parti avec Tune Abdel Péa. Exactement. Qui est assassiné. Oui, exactement. Donc, monsieur lui-même, il était tué. Il était tué, monsieur, dans l'hôpital militaire. Et il n'a pas trouvé faire quoi. Et Duvalier était resté sous pouvoir. Parce que Lionel a été dit qu'il faut absolument une révolution douce, une révolution tranquille. Et Lionel t'a fait ça le capable pour renverser dictature, selon lui-même, qui t'a dirigé le pays ça avec fort dimanche, écrasé opposition. Mais Duvalier était retourné sous pouvoir. Une deuxième tentative, avec cette fois-ci des mercenaires et des militaires, pour aller prendre M. Lacaille, et il t'a mouru le 6 ou 7 février 1986. Et là, M. apprend ça, il distribue l'argent par Neglio, parce que M. dit qu'on gère les gens, même bon Lacaille, il gère le pays au Kobio, et les militaires, les binômes armés peuple, monsieur distribue l'argent, ils font façon pour que les assurer propre sécurité, et pas grand fait de garde présidentielle, Kabdou, il y a 2 mois, 3 mois, il n'y a pas touché, il payait régulièrement et il surveillait sa propre sécurité. Et c'est là tout que monsieur pral font façon pour il pas fait être dit Léo dit pour quitter le pouvoir 7 février et américain dit il faut aller tout côté dit il faut que l'aller et au moment de un support américain avec George Shultz ainsi que la France avec François Claude Michel. George Shultz c'est ancien secrétaire d'État américain, avec François Claude Michel et ça parle à monsieur qui est Anthony Malone Canada bien mon qui dit monsieur était parce qu'il a dirigé pays à bien son bon garçon monsieur dit pas fait être dû. Le haïtien commence à manifester d'ailleurs, il dit ou pas vle ou obligé battre d'ailleurs, m'pag madame m'en petite, m'pag le mourir dans mauvaises conditions. Et 7 février 1986, monsieur était décidé pour le aller. Et évidemment, là, monsieur allé, militaire au grand pouvoir. Il y a un conseil national de gouvernement. Oui, bien sûr, mais on parle de deux gouvernements civils qui montaient, Maniga qui va gagner. Et pas qu'il y a monde qui a essayé d'atteindre la ville. Et on parle d'un gouvernement civil tout qui montait avec d'abord Jean-Bertrand Aristide et Premier ministre René Préval. Non, mais Maniga, il y a tellement qui est au pouvoir parce que tu as la Kaili et tant que tout le bagage est en primature, on s'en est tout dit ça. Oui, moi là, c'était pas des mercenaires. C'était pas de mercenaires. Non, c'était les militaires qui étaient venus faire un coup d'État. Coup d'État. Et évidemment, il y a un pile qui était plein pour faire manger et que le président parle en pile, il a mangé, mais il y a les madame ni. Protéger Jubouli, mettre un Google Jubouli, et puis il y a l'autre négoci. Ça, c'est la petite histoire, c'est une blague. Et, mais a fait manger, a joué un gros rôle dans l'histoire pays ça. Mais quand il menti, il était fait sur lui, parce que c'est ton président qui t'a dirigé avec de manière brillante, une vision extraordinaire, que nous t'es perdu Maniga, trop bonheur. Évidemment, Jean-Bertrand Aristide va le monter, et monsieur Patvelet, en fait, va carrément à tuer la Kaili. Il y a plusieurs tentatives d'assassinat, au devait contre l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. Oui, mais monsieur Patvelet, problème, non? Il était voué écraser l'armée. L'FN écraser l'armée, il voulait chercher un groupe blanc, une balle sécurité. Et il y a 500 blancs qui entourent monsieur, président haïtien. Hein? Et il était venu dans une compagnie, qui était sortie de Californie, dans la rue de Wall Street. Et la compagnie était en Steel Security Foundation. Et c'est compagnie ça qui parle de monsieur sécurité. En 2004, il voulait prendre monsieur dans l'avion. Et puis il était dit, monsieur Sao, pas tirer un seul coup de fusil. Si nous tirons un seul coup de pétard, nous avons perdu vie. Non? Et n'est-ce qu'il n'y a pas de fin, hein? Et c'est comme ça, président, après le parti en exil, avec 19 là-dedans, après le prend avion, beaucoup d'îles. Et parmi eux, il y a des grandes personnalités comme Kenneth Kurtz, ou bien Greg Pixon, ou bien Jorge Septien, ou bien John Dyden. C'est des mondes qui étaient entourés, évidemment, question ça, et étaient assurés sécurité président haïtien. Alors, évidemment, on parle de. Mais il y a des tentatives d'assassinat qui étaient faites dans le palais national. Il y a parlé de mercenaires,
bah qu'on est et ça a été oui mais c'était extrêmement difficile parce que sécurité ça a été par exemple organisation créée Steel Security Foundation l'étape veillée et gampile bah qui était extrêmement difficile et peut te permettre que tu arrives sous monsieur et évidemment on parle gain après que monsieur vivant et pas rien qui t'est arrivé on nous souhaitait un jour l'a écrit moi lui l'a raconté ça que t'es gain mais président pas de rien qui t'est arrivé lui encore lui très vivant. Alors, 16e président qui parle gain problème là, qui va mourir la Cali, c'est Jovenel Moïse. Alors, monsieur 16e président qui mourit, je trouve dans mauvaises conditions, de manière tragique, mais attention, on problème karma, parce que monsieur descend de Moïse l'ouverture. Et monsieur descend de Moïse l'ouverture. Moïse l'ouverture, c'était petit neveu Toussaint l'ouverture. Et vrai nom, monsieur, c'est Hyacinthe Moïse. Hyacinthe Moïse, alias Moïse l'ouverture. Alors, monsieur Petit, monsieur Defond, le 7 juillet 1801, il était fait un soulèvement contre Toussaint l'ouverture. Et c'est 7 juillet 2021 que petit monsieur A, Jovenel Moïse, vient mourir de manière tragique. Quelle coïncidence? Comment expliquer coïncidence ça? Écoutez, il faut même mois de juillet. Yo. OK, parce que il faut c'est pas OK, c'est pas correct. Ce qui s'est passé c'est tragique. Mais le bien Gombara qui est extrêmement important pour monde connaît c'est que même première dame yo qu'on fait, moi je vais boire plusieurs exemples, il y a question pour bonner la caillou. Bonner pays et bonner la caillou. Ça qu'a éviter que gagne des problèmes karma qui vient jeune non. Donc si qu'elle a pas bonné et pays a pas bonné, évidemment qu'a gagne des coïncidences bizarres. Et mercenaire et Jovenel Moïse, ça vient de lui, même qui information. Parce que bah, dans l'histoire, il y a des mercenaires américains, etc. Il y a dans ça, il n'y a pas de détails. N'a pas suivi l'enquête là. Parce que ça, non, là, c'est bah, sur la base d'enquête bah, qui est écrit déjà. Et en tant que chercheur, historien et journaliste, nous intéressons à connaître ça, écrivé là, comment le fait passer, comment fait. Ou bien des étrangers qui viennent là, qui viennent, bah, problème ça. Et il faut absolument que nous-mêmes, nous résoudre le problème là et que nous mettons la caille. D'accord. Est-ce que il y a une enquête tout, et qui était faite pour l'autre cas président qui était assassiné ou? Jusqu'à présent, il y a un résultat d'enquête qui fait sous Dessalines. Il y a un résultat d'enquête qui fait sous Salnam. Qui est-ce qui est auteur? Est-ce que tu es arrivé à procéder à l'arrestation? Auteur, intellectuel, exécutant, bah, qu'on est tout ça? Oui, l'enquête. Parce que l'histoire n'a pas rapporté qui est-ce que tu es procédé bon, à l'arrestation. Ok, Dessalines, par exemple, nous comptons qui est-ce qui était tout il. Et on est avec Alexandre Pétion, le M. Monté Pouvoir. Monsieur Pral, je t'ai dit que c'est monsieur qui était DL, mais en fait, monsieur t'a arrêté en pile nègre qui t'a trouvé des salines. Et on est avec Étienne Légérin, il t'a voyé prendre la Kaili dans la ville au Kaï. Et Étienne Légérin était dans le mouvement et tu es empereur. Léal prend monsieur Goumé avec force républicaine, il Goumé avec yo. Et d'ailleurs, il était le président pour le mettre lui et pour craser Pétion pour prendre pouvoir. Après, il fait tuer des salines, il a essayé de faire un mouvement et Pétion t'a voyé DL. Et c'est là que monsieur Pral suicider tête li, il va se suicider et Pétion pral recevoir dans palais tête monsieur parce que coupé tête là il a fourré le long sac il a porté le bas président donc la plupart des mutins de Salines et il était prêt et ensuite non mais il va prendre Pétion non Pétion lui même pas de passé comme yo. Pétion était plus ou moins accepté l'envoi de Salines non pas même monsieur pas directement selon historien yo dans cadre l'envoi à tuer de Salines d'accord mais pour tourner et dans deuxième partie hein, sur toute question ça par exemple David Marthe Théodore est-ce que le dérivé joint justice Salnave est-ce que le dérivé joint justice est-ce que tu as une commission qui t'est créée pour te faire lumière d'accord une commission de vérité sur ensemble d'assassinats ça eh ben autant d'éléments n'a gagné pour n'aborder autour après la pause n'a gagné pour nous garder pour nous tout liste c'est un ensemble de listes nous va regarder liste chef d'état qui te travaille au progrès d'Haïti liste chef d'état qui travaille pour craser pays ça n'a pas tout élément ça yo n'a pas tout gain un chef d'état tout m'kwè et lui-même c'est la Kaili lui-même yo t'a tué directement et gain ensemble des questions n'a gain pour aborder avec invité nous on a rappelé qui c'est Adi Jean Gardi historien écrivain. Merci de votre fidélité. Pas oublier, hein, nous pas le gagner. 8 ans d'existence, blocus date là-bas, avancé sous nous, à pas de géant. Pas oublier, ça pas le gagner. 8 ans, 15 août prochain, nous pas le gagner. Nous pas le célébrer en grande pompe, 8 ans et d'anniversaire nous. Merci de votre fidélité. Ne zappez pas, c'est l'heure de la pause commerciale. N'a pas retourné tout de suite après.
votre fidélité. N'a pas rappelé Rapsui Blocus, votre émission de prédilection, émission de formation, d'information et d'éducation. N'a pas rappelé tout, c'est également une émission multidimensionnelle. C'est une véritable université libre, puisque dans l'espace, ça, bien entendu, nous abordons et tous les sujets. Alors, et n'a pas rappelé Jodian, invitez-nous, c'est l'écrivain et historien Adi Jean Gardien avec lui. Et n'a pas essayé d'identifier et ensemble de présidents qui sont assassinés et ou morts au pouvoir. Alors, ou morts au pouvoir. Avec lui, tout n'a pas gardé ensemble de présidents qui arrivaient fait mandat, ça n'a pas arrivé boucler mandat. Pour qui raison, et puis n'a pas gardé tout ensemble avec eux, ensemble de présidents, et selon histoire nous, qui était travail au progrès et à l'avancement de ce pays, et bien n'a viré le tout, viser ça qui, pas de travail tout, pour progrès nation. Alors, et tout à l'heure, on va avoir des possibilités pour capable intervenir dans le débat, ça, il y a deux numéros de téléphone qui sont disponibles, qui permettent de faire ça, qui bon. Possibilité pour capable interagir. Numéro de téléphone, c'est 38 88 19 73. Ou bien 33 15 50 04. Mais c'est tout à l'heure, il y a bien possibilité pour faire ça. On le fait encore. On a rappelé les amis qui ont écrit nous. On a fait qu'on ait que cap dit nos bonnes fêtes. Joie pour qu'on arrive. Prends si patience pour nous. On n'a pas avancé dans la droite ligne de la célébration du 8e anniversaire de Blocus. Nous comptons date là déjà. C'est le 15 août, mais pour l'instant, nous sommes en train de jeter les bases vers Ndakadi et cette célébration. Hein. C'est structure n'a pas mette, c'est balise n'a pas mette pour nous faire une fête grandiose, pour nous fêter grandiosement ou bien en grande pompe. Mais avant de continuer à débattre, parce que l'autre aspect nous parle avec Adi Jean Gardien, nous parle demander pour le plus spécifique sous les chiffres, le nombre de présidents qui ont assassiné et puis ça qui mourit. OK, parce que il y a monde qui dit c'est trois présidents qui assassiné, il y a l'autre qui dit 4, il y a l'autre qui dit 5, on va regarder lui-même comment il gagne en même. Et puis mais c'est à l'heure n'a pas fait ça, n'a fait qu'on est dans cadre rubrique nous qui vise à faire la promotion de petites et moyennes entreprises. Et mais n'a fait qu'on est rapidement des pour monde qui malade la caillon, cousin ou famille, un tonton, un matante, quel que soit monde qui dans famille qui malade aller directement avec eux dans polyclinique de Franioville qui situé à Delma 75. C'est là mandé nous pour aller avec les amis ça ou famille ça. Alors pour les cliniques de Franioville, les trouvelles et en face plus bien dans Delma 75, on nous est rapidement ensemble de services ou abjoindre dans pour les cliniques de Franioville, yo fait et chirurgie générale, pédiatrie, obstétrique, gynécologie, consultation générale, yo fait tout monde qui a un problème dans oreille, dans nez, dans gorge, c'est là mandé pour aller avec eux. Puis en dans polyclinique là de Franioville là, on a toujours un laboratoire capable faire et test pour même dans même polyclinique de Franioville, ou a besoin d'une pharmacie qui permet tout acheter médicaments à bon marché, c'est pharmacie Iris. Dans même polyclinique de Franioville, ou a besoin tout un service ophtalmologique, monde qui a un problème pour les yeux, ou a besoin tout un service de lunetterie pour capable retirer lunettes tout. Et puis un service orthopédie, monde qui gagne et problème dans os, sous gain petit monde dans pied pas droit, pied crochu, aller avec dans polyclinique de Franioville. Et puis, on a dit sous la direction du docteur Edgar Jean-Baptiste, lui-même qui est chirurgien général, même ça le fait lui-même, c'est et il est occupé de monde qui gagne en Nio, mesdames qui gagne problème dans sein, c'est pour nous tester pour nous, oui, ça gagne dans sein, n'importe si boule qui apparaît, aller dans polyclinique de Franioville, hydrocèle, monde qui gagne maclou clouyo, goutte boule dans couyo, et puis et qui l'autre maladie encore, c'est qui gagne hémorroïde. Nous capables d'aller et puis gon spécial circoncision gon spécial tout yo fait pour monde qui besoin gain problème dentaire qui besoin faire cerclage aller c'est 50% à payer pour et deux spécial ça mais téléphone yo prend plume nous écrit yo c'est 38 88 19 73 ou gagne et 33 15 50 04. Alors, et meilleure polyclinique qui est journée aujourd'hui dans le pays d'Haïti, c'est polyclinique de Franioville qui trouve à Delma 75. Et puis par ailleurs, on a fait qu'on ait sous-tarin mais une connaissance pour qu'on ait fait étude sur la vie moun.
pour qu'on ne sache pas arriver, ça pas arriver payant, ça pas arriver. Et mais gon science yo rele et qui c'est alors n'a dit science ça qui c'est Tao. Alors monde qui fait Tao yo depuis il gain connaissance, il gon pile zèle 4 nan mais il ouvre zèle 4 là, la bal connaissance t'a mais ça moi. Mais ça pas le passé, mais ça comment le payant, mais ça cap marcher pour. Est-ce pas le visa. Et ben gon l'école et monde qui fait l'école ça c'est le tarologue du Amtaka dit Kendi Duclair, c'est lui même qui mettait l'école ça. Sont intéressés gain connaissance sur l'école ça, allez et relez-li dans 33 97 40 42, 33 97 40 42, 31 21 82 13, c'est deux numéros de téléphone ça qui disponible et pour capable gain connaissance sous Taouan men a dit son initiative de l'ordre des Esséniens 144 000. A dit on continue à débat, nous pour regarder l'autre aspect yo, plus spécifique, plus précis, plus concis, combien président qui mourit assassiné au pouvoir. Bon nous a dit gain 7 et gain certainement 9 qui mourit et certainement au pouvoir, ça fait au total 16 moun. Dans 16 moun ça qu'a prend évidemment nous ça assassiné d'abord. N'a prend 6 ou 7 qui assassiné au gain Jean-Jacques Dessalines qui était assassiné au 17 octobre 1806 et au gain par exemple président Sylvain Salnave que yo même tout yo été assassiné parce que t'es sauté yo t'es fusé monsieur directement dans le palais national yo au 15 janvier 1870 yo t'es fusé monsieur sur les ruines fumantes du palais ou gain Cincinnatus le comte et le comte lui-même le 8 août 1912 yo t'es sauté palais avec monsieur il était là Kylie mais là ça sauté palais et gain toute garde présidentielle là qui était perdu la ville et au gain Villebrun Guillaume Sam c'était 29 juillet 1915 monsieur était mort en même temps que Oreste Zamor président Zamor était en prison dans pénitencier national donc nous avons cité le tout nous pas d'oublier Septimus Rameau qui était joué rôle premier ministre et en même temps président en certain moment de Michel Domingue. Michel Domingue était président mais elle était tellement effacé collé elle était bas Septimus Rameau dirigé alors évidemment nous gain 15 avril 1976 lorsque monsieur Lemli était mort il est passé à l'infinitif et au gain tout Davilmar Théodore président Davilmar qui était mort en janvier 1917 d'accord ben non, pour l'instant présentement liste président qui déjoué tentative d'assassinat ou bien plusieurs cas de tentative d'assassinat qui étaient déjoués dans l'histoire non? Il y a plusieurs, parce que quand tu es un président, tant que Fabre ou Nicolas Geffrard, il était déjoué, tentative qui peut être tué. Et on a quitté déjoué le tout, mais malheureusement, puis devant, il était tué. C'est Sylvain Salnave. Et je me demande, c'est Seigneur Vincent. Vincent, pas de quitter aucun monde, voué à l'infinitif. Au contraire, il a fait deux mandats et il fait élection, il a mis Eli Lescot sous pouvoir. Et au pas de monde qui dévie le tout, c'est Younek Takou François Duvalier, et qui est madame ni, et première dame, maman Simone, qui te dit le pape quitter Maril, mourir dans mel, ni petite li, ni Maril. Donc là, il a fait pouvoir, il a prêté là, et monsieur était mouru sous pouvoir lui-même de maladie, et il mettait petit garçon, le président. L'autre nec qui était dévié, et évidemment, coup contre lui, parce que le pape fait être dû, c'était Jean-Claude Duvalier. D'accord. Et est-ce que vous avez tout liste d'Akadi et président qui sous-souyo dans l'histoire, non? Qui s'acte plus sous-souyo? Oui, nek était sous-sou, tant qu'on a donné que Jean-Baptiste Richer, il était dirigé pays à presque en sous-sou parce qu'il était soumettre directement à l'église protestante, côté que monsieur était même dit la prêtrie Port-au-Prince, capitale, il pourrait faire le cap, à cause de l'église que monsieur Lébati en roi et ses missionnaires qui tapent joué dans tête, monsieur. Ou bon, l'autre président, c'est Geffrard, côté que monsieur était gagné en pile anglais, qui était fait monsieur agir en sous-sous et monsieur était mené une politique anti-haïtien avec Sarel et le Concordat quand elle était bas l'Italie et bas doit diriger parce que Concordat c'était permettre que yon rentre dans le pays avec vin fait ça au niveau de l'école écrit soit l'Haïti pour nous faire nous connaître que nous pas moun et permettre que souvle l'armée les tirailleurs qui étaient dirigés directement par des étrangers
Et l'autre nec qui t'a montré dans Jean Soussou, c'est en 1915 d'Artignave Théodore. Pas d'Artignave, pardon, sud de d'Artignave. L'elle montait président, et bien, il y a un Américain qui t'a battu sur coup de pied dans des ailes pendant le chef d'État, et ceci en public. Et monsieur était un petit genre vexé, fâché avec tout Bouinache qui était chef cabinet, monsieur, mais il était traité, monsieur, très très mal, au point qu'il n'a pas même quitté, monsieur, payé ministre Lio, et monsieur était resté sous pouvoir, il n'a pas démissionné, malgré qu'il était traité vraiment en esclave ou en nigue. Et au vin jeune l'autre nègre encore, c'était bon, Borno, le monté président, gain une série de bagarre que monsieur était fait des changements, mais cependant, il était mené, il était viré monsieur Tounel pendant l'occupation américaine là, et Jean il pas doit accepter. Et il était imposé monsieur au niveau éducation des princes, ça les principales et mandé lycée Pétion pour élève pas cal dans examen si ou pas baptisé, si maman ou papa ou pas marié, etc. Donc monsieur était soumettre en pile en sous à l'Église catholique et au Vatican. L'autre nègre encore qui apprend agi un peu en sous-sous, c'est Baby Doc, Jean-Claude Duvalier, à travers la France. Parce que là, monsieur est venu avec Valéry Giscard d'Estaing, et président Valéry Giscard d'Estaing dit, monsieur, on va le faire réforme au niveau éducation, parce que les rendu compte que les Haïtiens sont tellement trop intelligents. Je t'ai demandé, monsieur, en 1982 déjà, pour te rentrer dans l'école fondamentale, et fait que les Haïtiens ont passé 14 ans dans l'école primaire, alors que justement en France c'était 2 ans seulement, et il aurait tiré question de éducation anglaise, espagnole, française, pour faire seulement en créole, qui fait que 25 ans après, génération ça les subit et influence sous époque là. Alors c'est plus ou moins ça qu'une capable dit, mais c'est quel président analphabète, mais qui était analphabète, yo même, mais qui était montré très intelligent. On est avec Antoine Simon, il pas trop savait, il pas trop fort, mais il était metté un nèg brillant. Avec lui, c'est un chef de cabinet qui te permet de travailler et faire des réformes extraordinaires. Et vous avez un qui pas de compte lui bientôt, qui était les Soulouk. Eh bien, Soulouk était un empereur, même si tu étais entouré avec des gens qui étaient brillants. T'as Francisque, le fameux Francisque d'Aquin, et le général Soulouk, qui était venu faire monsieur venu un empereur. Donc, le gouvernement, ça a été marché de manière très intelligente. Ben donc on y a une liste des anciens présidents, t'as qu'à dire des visionnaires. Ah, il y en a eu. Ah, il y en a gagné en pile. Absolument. Absolument. Ben non, non. Donc d'abord Jean-Jacques Dessalines, ils sont visionnaires. Dessalines t'a dit que pas les pays sont pauvres, tout nèg noué doit riche. Et monsieur a une vision contre l'esclavage, il abolit l'esclavage là son nom en dehors de Toussaint Louverture qui était venu à Idéa, mais Dessalines lui-même, il était venu avec un système de gouvernement en faveur de tous les noirs du monde, ceux de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de l'Afrique et surtout ceux d'Haïti. Il avait été fait tentative à plusieurs reprises et forcé Mounio pendant le gouvernement là, puis été aboli l'esclavage. Ce que certainement l'Angleterre va le faire en 1807 et ce que la Hollande va l'accepter. Et c'est la politique diplomatique de Jean-Jacques Dessalines comme visionnaire qui était commencé éliminer ça la traite des nègres. L'autre monde qui était visionnaire, extraordinaire, c'était Alexandre Pétion. Il a une vision pour libérer l'Amérique latine et monsieur prend Bolivar, il fait la rentrée, sortit directement Caracas, rentrer à Aquin et de la baie d'Aquin de à Zone Sahara, monsieur t'a fait développement et libération de toute l'Amérique latine. L'autre monde encore qui était visionnaire, extraordinaire, un brillant visionnaire, il s'appelait Jean-Pierre Boyer. Et Jean-Pierre Boyer dirigeait PISA de 1818 à 1843 de manière moderne. Même Dominique Annie, Pagnol, pas quitté route là. Il était quitté pays à fermer, enclavé, et c'est Boyer qui pral fonder et souvler, moderniser Santo Domingo, et qui pral mettre un gouverneur qui est Maximilien Borgela, un Tinegaquin, qui pral changer PISA et qui pral faire tourner un paquet d'affaires. Et donc le pays entier pral chita sous vision Jean-Pierre Boyer, et qui enterré qu'on y a là à Père Lachaise à Paris. Et il me demande chaque Haïtien, chaque fois arrivé en France, à le déposer en chef fleur, n'en perd la chaise, parce que monsieur son visionnaire qui t'est mérité. L'autre monde encore que t'es visionnaire, c'est le président Sylvain Salnave. Et là, monsieur Monté, monsieur dit qu'il va créer un système égalitariste, et un système moderne, et permettre que Haïtiens vivent bien et Haïtiens sautent la misère. Et certainement, monsieur t'a fait une réforme agraire qui permet que tout le monde
utilisé agriculture pour développer le pays ça, malgré guerre civile qui peut mener que le président ça a perdu la ville. L'autre monde qui était agi de manière visionnaire, c'est Florville Hippolyte. Et Florville Hippolyte a dit, il n'a pas accepté pour sous-sous, surtout les Américains viennent prendre Mall Saint-Nicolas, monsieur mettait en flâneur. D'abord, monsieur prend ambassade américaine avec Frederick Douglass. Monsieur fait Frederick Douglass représenter intérêts haïtiens aux États-Unis et défendre intérêts nous. Monsieur empêchait Dominicain vendre tête et monsieur te permettre de créer un budget pour l'île entière, non seulement pour Haïti, mais aussi pour Dominicain, peut-être qu'à fonctionner en toute liberté. Et monsieur tout, il peut monter des marchés modernes, il peut venir avec, la télégraphie terrestre, il rentre tout avec des systèmes d'infrastructures modernes, et là, c'est on est qui était visionnaire. Vincent, il parlait le mal en pile, mais c'est le Vincent visionnaire, il parle des pays arrêtés et un pays occupé, il parle de Haïti tourner Puerto Rico, il voulait que Haïti était un pays indépendant. Il était goumé en pile jusqu'à 1934, il fait américain ou tal fait autre. Donc en gros, c'est quelques présidents de Cavarois qui ont un caractère, personnalité, évidemment, dernier Cavarois, c'est François Duvalier. Bon, ça, on pas qu'à oublier, parce que dans une certaine mesure, M. Tigon a une vision d'abord par rapport à l'identité, la identité noire, l'identité que en cette note gagnée, et te permettre que tu respectes pays ça, malgré que M. te mène pays ça dans une dictature terrible, mais M. te un petit grand pile caractère, elle t'a agi pour que certainement pays ça, pas ton pays sous-sous. Maniga, Jean-Bertrand Aristide, n'était-il pas m'a privé sous, parce que l'homme fait qu'il est pire que ça, m'a pris par exemple M. Maniga, et Leslie François Maniga, s'est montré aussi extraordinaire, parce que M. est visionnaire, il a un caractère, il t'a dit que par les pays ça, tomber sous occupation étrangère, il n'est pas accepté pour Vénézuéliens mener le tourné ici à Mbakoudzam. Monsieur a accepté tant parce que il retournait et il participait dans l'élection pour le vice président, mais malheureusement, il n'est pas traité sous pouvoir assez longtemps pour le démontrer, bien entendu, et folle pour le faire. Évidemment, monsieur n'a pas accepté non plus tout que 25 000 blancs américains mener le tourné là sans qu'il n'ait pas fait rien, sans qu'il n'ait pas réalisé aucun changement au niveau des infrastructures. Donc, a dit que le dernier président qui a montré vraiment le grand le caractère, c'était M. Maniga. Bon, quelques noms des présidents que la communauté internationale a boycotté, et parce que il n'y a pas M. Sayo au travail, au profit des intérêts nationaux. M. c'était Maniga. Maniga, c'est un ladeur, il était boycotté. Il était empêché que M. Rivé, mais non, mais mon qui était boycotté avant, c'était Salnav. Les Sylvain Salnav montait, ils font complot international et local, puis ils sont arrivés tout fait, parce que Salnav, c'est un président haïtien qui, pendant l'exil, était rencontré avec Karl Marx, et qui a écrit Das Kapital, et M. était rencontré avec Engels, c'est rencontré des philosophes allemands. Et M. de une vision égalitariste pour Haïti, et M. pas croit dans l'affaire ni milat ni noir, M. croit que pays ça son pays noir lié, et il faut absolument que les entourer tout le monde, que le t'es noir, que le t'es clair, que le t'es quelque couleur ou, M. t'es menon politique, et pour pays ça, sorti dans sa lia, t'es boycotté. Et aujourd'hui, on est à coup, les élus Salomon, les M. a fait pays ça, sorti dans la misère, l'a développé, t'es essayé boycotté jusqu'à ce que t'es obligé de partir, les quitter pays ça, l'aller en exil. Boyer, les mêmes tout, t'es boycotté. Parce que les Boyer arrivés, les signent un accord pour que l'indépendance pays ça, ils respectent la 1825, le français était imposé, M. Il y a un taux d'intérêt que M. Pat acceptait. Elle t'a dit le pape payer encore pendant 10 ans. Il t'a refusé de payer M. O. Elle t'a mené un combat avec les Faubert, avec un combat diplomatique pour permettre que le pays ça arrêté, non seulement indépendant, pour ne pas retourner en colonie. Et nous, quand on parle de tout, on est à cause de la mort. Au reste de la mort, l'aime se monter, il n'est pas accepté que l'Allemagne, le Kaiser allemand, t'es venu diriger le pays ça, il n'est pas accepté pour l'Américain venir prendre contrôle économique, hein. Monsieur t'es résisté jusqu'à ce que tu es éventuel. D'accord, on apprend un dernier élément, parce que nous allons commencer à recevoir appel, yo. Ben non, liste de présidents haïtiens qui étaient à couteau tiré avec Sam Darilé, la bourgeoisie ou bien les oligarques. Il y en a eu. Sylvain Salnav, c'est une. Sylvain Salnav n'a pas accepté que oligarque passe l'ordre.
Sylvain Salnav te vle que moun gen te, que yo travaille agriculture, et yo planté, et monsieur te mené une politique interne. Parce que l'on lit, on est à coup, Lénine, il écrit que faire. Monsieur dit, bon, il faut que nous développions le pays ça à l'interne et ton nom grand puissance. Et là, on est à coup, Salnav te vle faire. Et en même temps, monsieur te vle exporter, il te mené la politique du Trotsky, qui te dit, il faut que la Russie exporte et sa révolution, et exporte également ses produits. Alors, on est à coup, Salnav t'a essayé de faire les deux dans le temps pas là. Et il était boycotté. Évidemment, au cas dit que le président, de manière intelligente, qui était essayé fini avec de manière progressiste, c'était Jean-Jacques Dessalines. Monsieur Duré, 2 ans sous pouvoir, mais 2 ans, c'est vaut 2 siècles. Voilà, et eh bien, on va commencer. On se rappelle, auditeurs, téléspectateurs, à qu'internautes nous y sommes. Et alors, on a rappelé le numéro de téléphone pour capable participer dans l'émission. Ça, c'est 38 et 88 19. Non, excusez-moi, je vais me tromper de numéro. C'est plutôt 34 95 27 06. 34 95 27 06. 40 33. 95-63, deux numéros, ça va permettre tout. Intervenu à l'instant précis, dans le débat, on a fait la jodie avec invité noir qui c'est l'historien et écrivain Adi Jean Gardi. 34-95-27-06, 40-33-95-63. On apprend au premier appel. Bonsoir, Haïti. Bonsoir. Bonsoir, Zami, me parlez plus fort, bon nom. Oui, bonsoir. S'il te plaît, me parle, me pose l'historien. En question, s'il vous plaît. Allez-y, n'attendez pas. Je vais vous poser une question. Non, juste, non, mais je parler un peu de Jean-Jacques Dessalines, s'il te plaît. Jean-Jacques Dessalines qui vaut 2 siècles, s'il te plaît. D'accord. Merci en pile pour participation. N'a blocus. N'a continué à recevoir et l'autre appel. Et amis aimables auditeurs, téléspectateurs, internautes, nous et nous parler plus vite pour nous, pour nous avoir possibilité pour poser toutes questions sur l'histoire, nous, avec invité nous, 34 95 27 06 40 33 95 63, n'a pas rappelé invité nous aujourd'hui, hein. C'est Adi Jean Gardi, c'est lui, nous gagnons, comme invité dans Blocus. Toujours fait un plaisir, baisser volume radio, acte télévision, qui la caille noire pour nous, s'il vous plaît, ceci pour nous gagner. Ont très très bonne réception. On a rappelé le numéro de téléphone yo encore et pour les amis qui voulaient participer, yo, c'est 34 95 27 06 et pour gagner 40 33 95 63. Et nous avons amis en ligne, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Zamim. Je m'en fous de début de la voie 17. Attendez. Oui, s'il te plaît, dis-toi un petit parler de Jean-Bertrand Aristide. Qui ça, monsieur T. D'accord, merci en pile pour participation dans Blocus. Et on a continué à recevoir l'autre appel. Et à Blocus, 34 95 27 06 40 33 95 63. Nous avons l'autre ami en ligne, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Zami. Oui. Moi, je me disais que si Christophe lui-même pas eu, même là que Christophe, est-ce qu'il n'est pas président son Walter, est-ce qu'il n'a pas eu même toujours à tout lui-même, même là pas ça, c'est lui qui est suicidé, 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 c'est lui qui est suicidé. Merci en pile. Et puis, notez question ça pour moi, a dit, en nous, point de ressemblance, le président qui a assassiné, au côté où il y a un point de ressemblance, côté où pas semblé, dans cause d'assassinat. Ok? On va noter aspect ça pour nous. Et n'a prend l'autre appel toujours et n'a prend 34 95 27 06 40 33 95 63 on va suivre Blocus en aller pour élément de réponse pour première série de questions ça va avant mais en posant mis en ligne bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir Zami. Bonsoir bien. Comment nous FM, non forme? Oui, petit mana. Petit mana, oui, on parle non, on attend. Oui, je me demande écrivain, est-ce que tu as abonné puis est-ce que tu as caractérisé ce que la catastrophe Haïti a passé? D'accord. Merci en pile pour participation dans Blocus. Et bien, Adi, on allait pour première série de questions. Yo, et puis, si nous avons temps, on a retourné au fur et à mesure pour l'autre appel. On allait. Nous recevons la première question, c'est sur Jean-Jacques Dessalines. Jean-Jacques Dessalines était une nation. Jean-Jacques Dessalines, pareil. Et sans lui-même, nous ne sommes pas indépendants. Il y a
trois bagages qu'une cadicule fait, c'est une guerre contre une puissance coloniale qui était plus fort passée et que le arrivé battre. Et le ban non indépendance non. Deuxième bagage, Jean-Jacques Dessalines, c'est abolition de l'esclavage. Nous sommes esclaves, nous sommes le fait que nous tous nous cagadons au danger. Et Jean-Jacques Dessalines a mené une réforme économique et qui était extraordinaire parce qu'à l'époque de la colonie, c'était à peu près 25 millions de francs qui étaient rentrés. Dessalines lui-même l'a fait pour pouvoir en 1804 et arriver en 1806. Monsieur a fait que l'économie n'est pas tombée dans le grabat. Monsieur a permis que nous ayons produit. Même si nous pas de cap exporter et que nous avons un embargo côté que coule les bateaux yo attaqué non sans arrêter, mais Dessalines mettait une armée de guerre sous pied, une armée qui était traversé toute Caraïbes là, et monsieur t'a dit pour libérer Martinique, Guadeloupe, Guyane avec 60 000 nègres, monsieur t'a gagné près de 20 bateaux de guerre, donc monsieur t'a renforcé au niveau militaire indépendance pays ça pour empêcher que l'autre pays vienne prendre la main. Et nous croyons que malgré embargo, malgré situation difficile, nous gagnons en pile reconnaissance à Jean-Jacques Dessalines. Deuxième question, c'est concernant un président récent, Jean-Bertrand Aristide. Nous avons fait un pile recherche sur lui pour nous comprendre ce qui s'est passé hier matin et qui Jean-Président a été dirigé. Sauf que il y a des aspects qui sont capables de faire nous un pile plaisir et qui sont dérangés nous tous. D'accord, par exemple, la fameuse réunion de Paris, côté a demandé pour mettre l'économie pays au taux du marché libre. Le ça nous a été dans un système libéral total qui expliquait pour que ça dollar avait une pièce de valeur et pour que ça goût haïtien, il n'a étalé journée jeudi. Et parce qu'il y a deux types d'économie, économie planifiée et économie de marché. Mais les SAM, quoi que nous défendons choix, pour nous choisir économie libérale, qui peut mener nous dans Kachouboumbe, alors que l'économie planifiée, c'est l'économie de la campagne. L'autre question, c'est pour le roi Christophe. Certainement, le roi Christophe, il mourit en octobre 1820. Et Christophe s'est fait un peu de changement, un peu de révolution, un peu de révolution au niveau des infrastructures, au niveau agraire, au niveau militaire. Mais malheureusement, roi Christophe, au moment, puisque madame était serré en pile comme pour lui, Marie-Louise quoi David, t'as serré en pile l'argent pour monsieur en Angleterre, et nous, ouais, ça qui s'est passé, c'est que l'elfine mourit, madame n'en passe à petite lit, elle vive l'argent, et même lorsque président Pierrot, qui était famille au monté comme président, pas de gain, un morceau dans l'agence a été servi pour reste développement pays. Mais ça pas empêcher que nous continuions des recherches sur les mêmes. D'accord, avant de prendre l'autre question, on prend deux, trois questions sur WhatsApp, là, Dijan Gardio, à noter pour nous. Gonzami qui dit salut Pierre, j'ai demandé encore pour moi, s'il vous plaît. Là, on parle de président Soussou, dans liste président Soussou, est-ce qu'il n'y a pas qu'à mettre Jovenel Moïse là-dedans parce qu'il n'y a pas choisi de voter pour Venezuela jusqu'à ce que l'État le fait États-Unis plaisir. Et on a noté qui sont s'appelés. Sans amis, tendez-nous Delma. Et je crois que ça, c'est une remarque. Ce n'est pas une question. Ça, c'est une remarque. Et je me dis que l'auditeur, ça, et quand il livre sur ça, laisse-moi apprendre plus. D'accord, on a l'autre question toujours. On a l'autre question pendante? Adi, on a l'autre question toujours? Oui. Okay. Attends, on a mis en ligne. Bonsoir. Allez-y. Balbito, tout à l'heure. Oui, bonsoir. Bonsoir, Zami, Naptando. Alors, bonsoir. Vous t'aimez pas les hommes, Naptando? Oui, ici, avec une grosse souffrance et douleur, en tant qu'haïtien, que moi, je veux assassiner le président. Et je crois que c'est un des plus grands présidents que nous avons en Haïti, que nous avons gagné. Ok. Donc, même question par maintenant, c'est que moi, par monsieur en parlait plus de Matéli, de Matéli, en tant que président, bon, est-ce que est capable de monter une information dans Soussouyo ou dans Progréo? Est-ce que monsieur c'était un président qui était en forme tout, qui était en intérêt du peuple? D'accord, merci en pile. On se l'a dit qu'il y a des îles. Il dit que le président est bon, non seulement la Kaili, mais il était bonné et paye le tout. Donc, est-ce que
en prison et Jovenel te font en après ça. Merci en pile. Notez pour nous encore dit on a mis sur WhatsApp là toujours dans 37 62 47 95 là il dit salut PRG s'il vous plaît mandez invité à pour moi pour qui ça limité François Duvalier dans l'ice président qui te gain vision pour Haïti. Dit invité à pour moi tout hier soir moi t'a regardé un documentaire sur régime Duvalier m'pa wè côté te gain vision. OK? On allait pour réponse a dit. On croit que moi nous avons amis en ligne, bonsoir, t'as le Adi. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Zamim. Oui, une petite question me poser, parce que moi, monsieur a parlé de tout ancien président qui était passé. Il devait connaître ce que des anciens présidents seulement ne devaient parler, ou soit s'il va parler de nouveau président qui était sous pouvoir là avec. Par exemple, Val, Batelli, Mountain, ou moi, je vais parler de yo, du malice, non, la baille, de président, soit Soussou, ou soit qui te vient un projet pour PIA, qui, ou moi, je vais parler de Mountain, ça passe. Merci en pile pour participation dans Blocus. On allait pour réponse, et Adi. Et nous, Cap dit que, par exemple, au niveau de François Duvalier, nous parlait de, évidemment, une dictature qui était horrible, qui était terrible. Et à fait de fois dimanche, moi-même personnellement, j'étais contre lui. À fait de président à vie, moi-même contre lui. Sauf que il y a des documents que nous joignent au niveau international, nous joignent que période 57 à 71, c'est qu'on goumait que Haïtiens ont été menés contre Fonds monétaire international et contre la Banque mondiale. Et pour ça, c'est une vision par rapport à Fonds monétaire international, t'es qu'un ministre haïtien qui tirait les Désinor, qui a été voyé ministre finance et a discuté dans la conférence de Mexico. Et là, il a été parlé de la presse internationale, il a parlé de le caractère haïtien par rapport au Fonds monétaire international. Il n'a pas accepté, certainement, qu'il a imposé nous des bagailles, qu'il nous vient accepter, certainement, à partir de Baby Doc. Et que nous sautions dans l'économie de marché pour entrer dans l'économie planifiée pour entrer dans l'économie de marché. Donc ça, c'est un bail qui est extrêmement intéressant par rapport à l'analyse qui fait. Il y a des bagailles qui concernaient le gouvernement récent. Un historien toujours regarde l'histoire, surtout l'histoire passée. Et certainement par rapport au présent, c'est génération Kounia. Chaque génération durait 25 ans. Et l'on prend histoire, par exemple, sur par génération, ou prend nouvelle génération qu'on a dans le nom, ben, nouvelle génération, 25 ans, ou pas qu'à prononcer net sous lit, ou obligé de garder, faire enquête pour comprendre avant qu'on écrit un livre d'histoire sur ce qui passait pendant 25 dernières années. Donc c'est sous base ça que nous-mêmes n'avons pas fait trop commenter. C'est analyser, n'a pas analysé, par rapport à vision, par rapport à caractère, par rapport à attitude. On sait, nous avons porté des critiques, nous avons apporté des ajouts par rapport à ça que nous avons mené, par rapport à la politique nationale et politique mondiale. Mais pas oublier tout que au niveau Haïti, Haïti voulait un paquet de bagages, il voulait identité nationale. Et dans l'identité, ça, qui ça que nous-mêmes nous représentons, qui ça que nous y. Donc, un historien obligé de calculer, bien entendu, par rapport à nouveau gouvernement, par rapport à ce qui s'est passé pendant deux dernières générations, pour qu'on comprenne exactement qui bon nous y et qui bon nous doit aller. Mm-hmm. Des questions pendant toujours. Et l'autre question, c'est. Est-ce que bon, on est un pays capable d'éviter catastrophe? Nous, on est dans la Bible. Je crois qu'on est avec le roi David, il était bon la Kaili et empêcher que l'autre pays pas arriver prend Jérusalem et prend Israël. Je crois que c'est extrêmement important pour nous comprendre que c'est l'empire qui arrive créer tête lorsque vous arrivez et certainement mettez protection par la Kaili ou protection pays où. Donc, on croit que c'est extrêmement important pour ne pas abandonner question ça et que en pile haïtien parler de lui, pas parler de lui, mais c'est extrêmement important pour nous connaître que ça, c'est une mission divine, borner son pays et borner également là où on dort. Mm-hmm. Des questions pendant des poses et me demande et analyser une cause président assassiné, moi j'étais si vous t'ai parlé.
causes différentes. Oui, causes différentes. Gen semble tout. Gen, par exemple, l'opre, gen des ressemblances. L'opre, par exemple, on est avec Sylvain Salnave, qui t'a essayé de faire des barrages qui sont extraordinaires dans le pays. Et au niveau infrastructure, gen bah, elle est quittée tout. Et parce que l'extrêmement important pour qu'on ait l'on président passé dans le pays qui ça le critique, qui ça le produit, ça le baille. Et surtout, l'on a un nombre de population qui gère une population, ça a sauté dans la misère. Et à l'époque, ça le nav, t'es grand pile monde qui t'es sauté dans la misère, que t'es tombé là-dedans, et ceci a partir de période de Geffrard. Donc, moi, que les grandes ressemblances par rapport à ça qui est arrivé, monsieur, yo mené, monsieur, yo sauté par l'air, yo boulé par l'air, et yo fusil là, et nous, le compte est mort presque même genre, dans des conditions aussi terribles. Et après le départ de Salnave, il y a eu un gouvernement qui s'était autoproclamé. Ça veut dire que monsieur était Salnave mourit automatiquement. Bon, un canal monté, il dit c'est le président, et il bloque le pays. Et moun continue à perdre la vie, que maladie verrette, etc. Et nous remarquons qu'à l'époque de le comte mourit, et il y a un Tancred Auguste qui montait sous pouvoir, et il y a des épidémies qui étaient frappées et ça, et qui étaient empêchées que certainement Haïti était campé dans le campéa, et que nous prenons le gourmet contre eux, et ceci après, pendant les années 30 et les années 40. Donc on a pris, nous prenons seulement trois derniers appels. Au gagné et nous avons mis en ligne. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Zamim. Comment nous sommes? Nous en forme et ma salue et historien. Et c'est moi qui m'ai tendu l'empile. Merci. Et si on m'a voulu, c'est sous qui gouvernement, depuis après l'indépendance, nous commençons à confronter problème ingérence étranger dans le pays, ya, comme si gouvernement yo, comme si sans étranger, il prend l'autre la main yo, et d'ailleurs, me connaît sous qui gouvernement bah, très belle question, parce que nous avons dans des procès avril, tu as parlé, il y a des questions, tout bah, il prend décision, c'est un blanc pour informer, lui-même, il dit, bah, il n'y a pas de temps d'informer, blanc. Bah, on a toute sa décision à prendre, c'est blanc. Très belle question. Et puis, dans WhatsApp, plan 3762-4795, Gonzami qui dit bonsoir Pierre-Richard. Monsieur Pierre-Richard dit invité à pour moi dans liste président visionnaire, yo, li quitte, ou quitte Henri Christophe d'après lui-même, ou quitte du Marseille estimé, et puis c'est François Duvalier qui a parlé, qui parle de rien pendant 30 ans dans le pays. Ça. Ou à noter. Nous, Gonzami en ligne, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, Zamim. Bon, nous saluons nous et nous saluons vite à Bordeaux. Nous saluons tout. Et pour être invité à vous, vous rappeler le nom et le président qui était soufflé de l'ambassadeur. Et en plus, vous avez parlé de président tout. Et en plus, vous avez fait une différence moi, entre le président Matéli et Aristide. D'accord. Merci en pile pour participation dans blocus. OK, n'a répondre rapidement sur quel gouvernement occupation ingérence étrangère te vienne plus fort. Nous croyons que ingérence t'en venir à partir de Fabre Nicolas Geffrard. Et là gon ingérence anglaise qui était très très fort et très très forte. Et nous venions les gérants anglais avec ça, les mercenaires anglais, et qui a commis contre Salnave. Et nous venions tout ingérence italienne Vatican avec ça, le concordat, le fameux concordat signé par Geffrard. Ils s'en gommaient en pile pour ça. Pour certainement nous venir les droits concordataires qui permettent que le président haïtien, c'est lui qui bat évêque, c'est lui qui m'a dit pour payer ou monter, etc., etc. Ce que Jean-Claude Duvalier était lui-même remettre, les refuser parce que monsieur était en 1983, il était renoncé aux droits concordataires d'Haïti, une bataille que nous-mêmes nous terminons pendant presque 100 ans. Et l'ingérence a commencé à partir de Pierre-Gotta, les années 1860. Et au Vénézuélien continue en 1915 avec l'occupation américaine. Et c'est vrai que Zamien a raison. Parmi les présidents visionnaires, Lisa Pilon. Lisa Pilon, tu as connecté. Ou bien Zamien dit, on va mettre Manigato. Christophe, tu es visionnaire. Et on est que du Marseille estimé. Était très visionnaire. D'ailleurs, du Marseille estimé était dit lui-même, il parle construire de nouvelles villes et M. était construit Belader, il était refait Port-au-Prince, M. était fond économie moderne et puis M. était mettait sur les aéroports dans chaque département et chaque commune, il mettait l'hôpital, etc. Donc, du Marseille estimé
est unique dans l'histoire, en tout cas unique dans le pays, le 20e siècle. Là. Et évidemment, vision, t'es extraordinaire. Non seulement t'es parlé, mais t'es agi tout. Ou même qui président haïtien qui était bat ambassadeur qui n'a pas accepté que le nègre vienne passer l'ordre dans le palais, j'étais relé M. Oreste Zamor. Et dans les histoires, après l'école, là, il mettait une ligne pour monsieur et il marquait président provisoire. Mais monsieur t'a fait plus que ça parce que Oreste Zamor, son équipe a une vision extraordinaire et qu'il était payé de propre ville. Et avec 170 partisans, et ceci, il était voué pour le Femeni, et 29 juillet 1915, il était mort. Mais c'est vrai, vous avez raison, et n'a pas prendre de moi, mais n'a pas prendre de nous tous. Mm-hmm. D'accord, on a continué à recevoir et l'autre question dans WhatsApp. Yo. On va regarder et l'autre bonsoir. Question. Oui, nous, bonsoir. Salut, nous. On a prendre deux appels seulement, Balbito. On va avec ça, Jésus, et disciple nous. Et avec citoyen aussi qui a parlé là, ça fait un plaisir que justement pour l'émission. Et mandez bon Dieu à nos santé, et surtout même journaliste en tant que chaque fois dans le micro, bon Dieu, que tu sois et que tu sois béni où il est dans la joie. Merci. Et mandez pour bon Dieu toujours béni. Merci en pile. Mm-hmm. Avec le reste du monde qui entoure. Moi-même, ça que moi t'a remédié, parce que moi-même, mes pays, en tant que haïtien, j'en ai même tout, ou fait émission, ou même pays, ou tout va être mes pays, ou pas ta faire inscription pour te faire émission, ça. Et parce que vous voulez pour chaque haïtien, par opinion, yo. Mais pas que de toi, parce que y a l'autre monde qui a parlé, qui voulait parler. Et m'a remis justement, mais ça que moi-même m'a remis, par nous parlons de question de ni président Soussou, ni président pas Soussou, parce que y a des parfois, chaque président qui monte au pouvoir, nous toujours voyons quoi, nous toujours voyons le monde qui mettait pied sous tête noire. Et même j'en voyais bon génie, même Satan, c'est en difficulté avec, mais il n'y a pas trouvé l'autre solution, et vous voyez Satan, j'étais. Pour être capable de gagner la paix. Ah, mais nous-mêmes, pour nous gagner la paix par nous, nous connaissons ces têtes ensemble, pour nous mettre, pour nous faire seuls, pour nous capables de libérer le pays. Nous. Après de ça, si le absout est sous l'autre, nous avons gardé le président Aristide, nous avons gardé Mathilde, nous avons gardé tout le président, nous ne pas mettre nous ensemble pour nous faire seuls, et quand il avait mis à terre. Parce que nous, en tant que Haïtiens, changer longtemps le pays, nous dire les Haïti chéris, et c'est qu'en pile de bonnes filles, ou même en tant que journaliste, c'est Chita, l'homme bon cocoïe, ou senti l'aide de cocoïe, ça descend en dedans, ou senti toute qualité chère dans le corps, monsieur. Mais je dis à monsieur, ou bon cocoïe, chalet, en tête de cocoïe à chaud, ou pas même bon fruit chez la dame. Les amis, nous croyons, et tête ensemble, mon seul bon fait, unis nous, pas quitter blanc divisé nous. Et ça qui mettait nous dans la difficulté, ça. Merci beaucoup. Merci pour bon Dieu bénir journalistes avec tout le monde qui accompagne avec les citoyens sales qui vont côté là. Merci beaucoup. Merci en pile pour participation dans Blocus. Eh bien, Adi, et le mot de la fin. Bon, mot de la fin, c'est. Nous avons intérêt à la généalogie, nous avons dit ça, oui, là. Absolument, mm-hmm. Et puis au niveau spirituel, mystique, bon, évidemment, nous avons toujours un conseil. Et si il y a des gens qui veulent faire business en Haïti, qui veulent contacter nous avons aidé, nous avons pas au téléphone, nous 47 46 79 82. 47 46 79 82, ou bien encore Adi Jean Gardi 2. @gmail.com. Mm-hmm. Merci en pile Adi du fait que tu as accepté répondre à la question de jodi mais n'a pas excusé et bon côté l'autre ami qui voit question en pile question pour nous malheureusement nous pas trivé gain temps satisfait parce que le a censé arriver sur nous. Et puis avant d'aller rapidement mes citations de poté pour jodi, il existe une société secrète avec des ramifications dans le monde entier qui complote pour répandre la rumeur qu'il existe un complot universel. Et selon Foucault, je reprends la citation, il existe une société secrète avec des ramifications dans le monde entier qui complote pour répandre la rumeur qu'il existe un complot universel. Et puis la théorie du complot est devenue un instrument de manipulation dont le venin s'est répandu dans bien des esprits.
Si certaines théories du complot sont le simple fruit de l'ignorance, certaines trouvent une origine dans l'histoire sombre de l'humanité. Et puis, il faut faire très attention avec mon gars conseiller nous pour nous faire quelque chose, mais ne pas préoccuper des conséquences de ça, conseiller là. Il ne faut pas refuser toute responsabilité. En ouais, ce qui conseille à quelqu'un de faire quelque chose ne se préoccupe pas des conséquences et refuse toute responsabilité. Il faut faire très attention à mon zayo, mais qui expression qui est appropriée avec les saokadi. Mounsayo, ce sont des conseillers qui ne sont pas les payeurs. Donc, les conseillers ne sont pas les payeurs. C'est ça, ça veut dire qu'à simplifier phrase pour lui, pour capable dire tout ça, m'sou dit nous là. Fin de citation. Pour commentaire, critique, suggestion, canalise, pas oublier crime dans deux numéros WhatsApp, 37 62 47 95. 38 48 12 48. Pas oublier tout écrit dans l'adresse électronique qui c'est guillaume29richard@yahoo.fr. Pas oublier tout abonner avec Chanel Noir qui c'est Blocus, le Chanel de l'intelligence et de l'intégrité, bien sûr. Et puis l'émission, ça était possible grâce à nos deux magiciens de la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Nous voulons parler de Balbito et puis Dimitri Loutsur. Et bien voilà, et c'est sous notre salle. Nous remercions ensemble de techniciens qui sont toujours mobilisés pour te rendre l'émission ça possible. Et bien pour te présenter au Blocus, ce qu'on a déjà, on a un micro à nos PAM. C'est Pierre-Richard Guillaume, que tout le monde connaît sous nom. P-R-G. Bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Merci de choisir intelligemment, professionnellement et objectivement Radio Télestorm pour vous servir la tempête de la vérité, de l'équilibre et du professionnalisme. Bonsoir.